On a arraché la prise HDMI. Non. C'est dur. C'est-à-dire que tout ce qu'on attendait, c'est ça. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais présenter un produit qui est pas hyper connu, mais qui commence un peu à refaire surface sur Internet. Vous connaissez tous la Blackmagic Pocket, qui est une caméra très utilisée, la Blackmagic Pocket 4K, 6K, il y a 6K Pro. Il y a toute une gamme de produits, mais à la base, il y avait ça. C'était la Blackmagic Pocket de première génération, qui est une caméra qui a vieilli, mais qui avait une particularité assez folle. C'est un capteur minuscule Super 16, donc c'est un tout petit capteur qui fait un rendu un petit peu à l'ancienne et qui a vraiment une image magnifique. J'adore cette caméra, je l'avais acheté neuve à l'époque, hein. c'est ma caméra à moi, vraiment vécu beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé. En fait aujourd'hui on va faire une fausse pub pour la marque de voiture Mini, parce qu'avec ma femme en fait on a une Mini, voilà, c'est pour ça, sinon ça aurait été une autre marque, hein. On va faire une fausse pub de voiture donc pour Mini, tournée exclusivement avec la Blackmagic Pocket de première génération et surtout sans aucun accessoire. À part un écran pour bien voir, parce que l'écran est vraiment pourri, donc juste mettre un écran, éventuellement un trépied parce que je suis sympa. Et du coup, j'ai besoin d'un acolyte. Et cet acolyte, il est derrière la caméra, donc c'est Adrian. Coucou, c'est moi. Tiens. Toc. Merci. La vidéo va se faire en plusieurs parties. On va aller faire déjà des tests, parce que pour voir la caméra, la tester. Ensuite, on va imaginer la pub en elle-même. Et ensuite, on va la tourner. Et puis, vous verrez ça. Et ça va être bien. Ça va être très, très bien. Ça va fonctionner, ça va être bien. Je crois que t'as pas encore vu à quel point ça va être une galère. Ah, mais t'inquiète. Ok, donc là on est dans l'endroit où on met le matos, hein. Pour l'instant c'est le bordel, hein, mais on va ranger, hein. Je viens de déménager encore. Hein. Cette petite caméra, du coup je fais un petit tour du propriétaire. Déjà elle est assez spécifique pour plein de raisons, et en plus de ça, elle est vieille et abîmée. Comme je disais tout à l'heure, il y a un tout petit capteur, ça amène quelque chose, c'est que ça va rezoomer dans les objectifs qu'on va mettre. Donc du coup Adrien, je prends ce 5D qui a un capteur plein format. Si je mets un objectif de 20 mm, je prends une image de... 20 mm. Bien joué. Le capteur du GH5 est deux fois plus petit. Du coup, il va prendre deux fois moins d'images. Donc si je mets un objectif de 20 mm dessus, ça fera... Du coup, ça fait x2, ça fait 40 mm. Bien joué. Jusque-là, c'était facile. Globalement, le 5D, donc c'est x1, donc il n'y a pas de changement. Le GH5, c'est x2. Là, c'est à peu près x2,7. Je vais pas te faire l'affront de faire les calculs, parce que 2,7, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Mais en gros, ça fait que si on met un 10 mm, donc un objectif extrêmement large, genre c'est très très rare. Ça fait comme un 27 mm du coup à peu près? Ça fait un 27 mm, c'est ça, donc ça fait quasiment du 30 mm. Ce qui fait que tu vas pas avoir de grand angle. Parce que c'est pas possible. C'est complexe. Ouais, c'est pas possible. Pour aller avec cette Blackmagic Pocket, on va mettre un Leica 1025 f1.7. Parce que déjà l'exercice n'est pas facile pour Adrien, donc je suis sympa, je lui mets une bonne optique. Voilà, ça fait un 10-25, donc un équivalent 27, je sais pas, 80. J'en sais rien. On mettra les calculs à l'image. Problème de cette caméra, c'est que elle est cassée à ce niveau-là, ce qui fait que les batteries ne font pas bien contact. Donc là, j'ai mis du scotch un peu pour faire surépaisseur, pour forcer. Une fois, la caméra juste s'éteint. Voilà. C'est une caméra qui a une batterie d'une autonomie d'à peu près 10 minutes. Donc on a 6 batteries. Mais même 6 batteries, c'est pas tant que ça pour un tournage. Ouais, ça peut partir vite, ouais. J'ai acheté un câble pour l'occasion parce que je n'en avais plus. Un micro HDMI vers HDMI. Faut savoir que ça, c'est les câbles les moins solides du monde. Hein. à l'époque où j'utilisais cette caméra, premier degré, on en cassait un par tournage. Voilà. Et pas, j'étais pas avec des brutes, hein. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient, ils travaillaient bien, mais bah, on en cassait un par tournage. L'écran principal de la caméra, qui comme on voit, est vachement plus sombre que cet écran-là, donc on voit vraiment pas très bien. Il est de très mauvaise résolution, hein. Vous le verrez pas, vous, à l'image. Et c'est pas tactile, donc il faut se balader dans les menus. C'est ultra compliqué, juste changer les ISO, faut faire 1000 clics. Enfin, c'est vraiment pas une caméra qui est très très ergonomique. Donc là, on va sortir pour aller la tester dehors et voir un petit peu ce qu'elle rend. Bon, là on se retrouve dans les champs à côté de chez moi. C'est moi qui vais filmer Adrian. Là il va découvrir la caméra. Je dis plus rien. Ouais. Si t'as des questions, vas-y. Bah écoute, je propose d'allumer la caméra et d'essayer. Ouais, on a pris le chien aujourd'hui. Alors là l'idée c'est de mettre un petit filtre ND. Donc c'est des filtres noirs en fait. Et en fait ça assombrit l'image et ça permet plus de contrôle sur les réglages. Donc on vous en parlera cet été. On est en train de vous préparer une série de vidéos qui va vulgariser le monde de la photo et de la vidéo. On va tout vous expliquer, vous comprendrez tout ça. Après cet été. Franchement, ceci, est-ce que je lancerai pas un rec? Si, je pense que tu peux lancer un rec. Ça tourne à l'image. On sent que c'est pas stabilisé. C'est pas stabilisé du tout. Mais ça fonctionne, c'est stylé. Ah ouais, c'est beau. Elle a un petit look ciné, elle a une patine qui est vraiment marrante. Ouais, bah à l'ancienne en fait, ça fait très très vieux film quoi. Et l'idée de faire ces vidéos,
c'est vraiment de vous montrer en fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des caméras ultra haut de gamme pour faire des beaux projets. Que ça, c'est une caméra que vous pouvez trouver vraiment pas chère d'occasion, qui peut vraiment avoir un joli look. Donc c'est pour ça, on va essayer vraiment de faire une vraie prod. Genre, on va faire ça comme si notre client, c'était Mini. Et c'est aussi pour ça qu'on prend pas d'accessoires, qu'il y a juste un trépied, caméra et optique, bah, c'est pour que vous puissiez potentiellement le refaire sans trop de budget. On va voir, ça se trouve ça sera foireux, hein. Je dis pas qu'on va réussir, j'en sais rien, j'ai jamais fait. On va essayer de mettre ça en place, de vous montrer que même avec des vieilles caméras pas forcément très chères, vous pouvez avoir des vraiment beaux rendus, et ce qui est important c'est pas la caméra, mais est-ce que vous pouvez faire avec. C'est ça, et hop. Là tu fais ça parce que tu n'as pas vu sur l'ordi, hein. Là c'est... clairement. Là, ça tremble de ouf. Vous, au montage, vous savez si c'est pourri ou pas. C'est ça. Attends, je vais me préparer. Elle va revenir en courant. Ok, attends, elle je m'avance. Oh, j'ai réussi à la voir, mais dans un flou. Tout dur. Et je vais changer la batterie de cam, moi aussi. Ça s'est éteint. Ouais. C'est déjà la troisième batterie, hein, depuis qu'on c'est est là. Ah bah, c'est bon. Ça a lâché. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de la caméra là après on a fait 45 minutes d'essai quoi. Je la trouve vraiment sympa. Après ouais, du coup, faudra voir ce que ça donne avec les étalos et au montage. Pour l'instant, bah même si c'est normal, tu vois le capteur il est pas stabilisé. La couleur de l'image en soi avec je sais pas, je trouve que le bleu il part un peu dans les turquoises genre avec le ciel, je trouve ça assez joli. Et ouais, manque de dynamique, mais à part ça, franchement bah ouais, en fait, c'est ça, c'est elle a un look qui est vraiment cool. On se retrouve quelques temps après le tournage et j'ai pu du coup trier un petit peu les images qui ont été filmées pour en tirer un petit peu le positif et le négatif. Au niveau positif, bah, l'image est quand même assez jolie. Enfin, elle a encore une fois, c'est ce qu'on disait pendant le tournage, mais elle a un look un peu sympa. On a l'impression que c'est un vieux film, je sais pas. J'aime beaucoup le look de cette caméra qui arrive à avoir une image qui est à la fois un peu douce des fois et puis en même temps très contrastée des fois. Donc, dès que la caméra est pas sur trépied, il y a des gros tremblements et c'est un petit peu dérangeant. Donc il va vraiment falloir qu'on fasse attention pendant le vrai tournage. En parlant du vrai tournage, j'ai fait un genre de storyboard. C'est pas vraiment un storyboard à proprement parler. C'est plein de petits panneaux de texte avec la description des plans que j'ai mis sur la musique. Comme ça, on sait exactement le nombre de plans qu'on a besoin de faire. Donc en gros, ça donne ça. Faites pas gaffe à l'orthographe, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Comment j'ai fait ça, c'est vraiment très simple, j'ai juste mis ma musique, je l'ai fait tourner en boucle, et dès que j'avais une idée qui me venait, bah je la notais. Ensuite, tous ces petits panneaux de texte, je les ai convertis en une note hein, sur l'iPhone, à cocher. Comme ça, sur le tournage, on pourra cocher les plans au fur et à mesure. Maintenant qu'on est prêt pour le tournage, ben, allons tourner. Bonjour à tous, on est quasiment une semaine après la première partie du tournage. On est dans la fameuse Mini qui va nous servir à faire la fausse pub. Et là, on est en train de chercher un endroit où on pourrait tourner qui rendrait bien avec une belle route et tout ça. Je pense qu'on peut se dire que là c'est pas mal. On était quasiment prêt pour tourner et le, et le problème c'est qu'en préparant le matos, c'est un truc que j'ai carrément zappé. C'est pas un HDMI qu'il faut, mais un micro HDMI. Donc là du coup Hugo il est reparti le chercher et puis on tourne après quoi. Bon voilà, je suis revenu, on a tous les câbles, tout fonctionne. Là on va commencer par un premier plan où la caméra sera un peu au ras du sol. C'est un plan fait à la main donc elle risque de trembler un peu et tout. Je me déplace jusqu'à la voiture. Et c'est le moment où j'entre dedans. J'ai pris mon plus beau manteau. Au niveau visuel, il est cool ce manteau parce que du coup, je peux un peu jouer avec le tissu. Et du coup, il peut y avoir une démarche ou un truc. Je sais pas comment ça va rendre. C'est très, très expérimental. Mais en contre-plongée, ça peut être assez stylé. Bon, on va tourner le premier plan. Il faut juste que je planque mon micro pour qu'on m'entende quand même. Ah, c'est un toute seule. Ah, ça, c'est la batterie qui doit être mal enclenchée. Ah, les problèmes de batterie commencent. Ça tourne à l'image. Tu me dis quand j'y vais. Action.
Clairement, on est déjà à 78% alors que ça fait vraiment 4 minutes qu'on l'utilise. On l'a fait 3 fois. Ouais, voilà. Vraiment. Là, faut faire le plan où la voiture part. Bah, je suis en train de me demander si je te mets droite cadre ou gauche cadre. Quand t'es gauche cadre, c'est sympa parce que du coup, on a une ligne de fuite qui est sympa, on va vers l'horizon. Ouais. Mais sauf que du coup, tu quittes directement le cadre. Pas grave. Ça le fait ? Ouais. Quand tu veux. Bon, le début de la pub est tourné, là on est en train d'aller jusqu'à un petit parking qui est juste à côté. Alors c'est pas vraiment un parking, en vrai ça ressemble plutôt à un tas de fumier géant. Mais du coup on va avoir de la place pour travailler alors que là on était vraiment un peu en galère. Et là on va faire un peu tous les plans pendant qu'on conduit. Et pendant ce temps là, on va envoyer un message à Clarisse qui va venir avec mon camion. Parce qu'on va faire des plans en mouvement et c'est elle qui va conduire le camion pendant les plans en mouvement. Voilà, c'est parti. On n'a pas eu un seul faux contact pendant qu'on a tourné. Ça, c'est beau. Pourquoi ça affiche pas sur l'écran ? C'est une question, ça. Il a abîmé ? On a arraché la prise HDMI. Non. Si, je te jure. On l'a rentré dedans. C'est-à-dire que tout ce qu'on a tourné, ça sert à... On en fera une vidéo quand même. Si tu veux, on peut finir au GH5. On explique. On dit que voilà, la Blackmagic ouais, était morte et tout ça, mais du coup... Vas-y, bah écoute. Bah on a tout rec à la GoPro là. Oh putain. Ça c'est trop bien. Je t'ai dit on n'en perd pas une miette là, vraiment c'est... Ah ouais, non mais attends, du coup on va faire ça. La prise HDMI est rentrée dans la caméra. Et le problème c'est que le lecteur de carte marche plus. L'image ressortait de là pour aller là. Et on enregistrait là-dessus. Du coup on ne peut plus tourner à la Blackmagic Pocket. On va finir le tournage au GH5 juste pour avoir des images. Mais l'expérience Blackmagic Pocket s'arrête là malheureusement. Parce que celle-là a rendu l'âme. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, coup dur. Bon, c'est l'arrivée de Clarisse avec le camion. Il est beau mon camion, c'est le mien. On a cassé la caméra. La prise HDMI, elle est rentrée à l'intérieur de la caméra. Là, c'est le plan en voiture. Il y a Adrien et Clarisse, juste là. Parfait. Là, on va faire trois plans en roulant. Le premier, c'est simplement je roule et on voit en fait la route à travers le pare-brise. Donc en gros, tu filmes vers l'avant. Faut qu'on voit la route. Ouais. Et en même temps, on peut voir un peu de compteur ou un truc, toi, un peu à l'intérieur et un peu l'extérieur. Vas-y. Et un plan, on est sur les mains, en train de le volant. Mmh. Et tu switches après sur mon visage. Bon, on vient de finir le tournage. Là, il est 17h50. On est en fin de journée. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, la Blackmagic Pocket a lâché. La prise HDMI a été arrachée. Et vu que le lecteur de carte mémoire ne marchait plus, en fait, on n'a plus de moyen d'enregistrer. Bon, on n'est pas des salauds. On vous a quand même terminé la vidéo avec le GH5. Donc, je vous mettrai un petit indicateur sur les plans qui ont été filmés avec la Pocket et les plans qui ont été filmés avec le GH5. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est la post-production. On se retrouve derrière l'ordinateur. C'est parti. Bon, on se retrouve quelques temps après le tournage. J'ai commencé à importer les rushs et regarder un petit peu ce que ça rend. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de retrouver un petit peu la charte graphique de Mini. Donc hop, je suis allé sur le site de Mini, hein, tout simplement. En fait, si vous regardez bien, leur texte a plein de petites accroches qui retombent, qui repartent sur les côtés, là. Donc je sais plus le nom exact, hein, mais on va essayer de retrouver une police qui ressemble. L'idée, c'était de se mettre sur l'écran de fin et d'écrire Mini. On va voir s'il n'y a pas des polices intégrées à Final Cut qui sont pas mal. Ça peut être pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est très très bien. Quels sont les trucs que mettre? Donc, édition suréquipée, nanana, ok. Suréquipée, ça a vraiment l'air d'être le truc important pour eux. On va écrire comme eux. J'ai pas mal avancé, enfin j'ai une version totalement utilisable. On commence par ce merveilleux plan sur la nature, qui est hyper stylé. J'aime beaucoup ce plan, alors pourtant il est simple, hein, c'est juste la route en longue focale, mais je sais pas, je le trouve vraiment très 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 joli. Ensuite, alors j'ai pas réussi à faire de plan d'oiseau pour l'instant. Du coup, en attendant, j'ai récupéré un vieux plan que j'ai fait en 2015, voilà, je le remplacerai dès que j'ai l'opportunité d'en faire. Donc c'est simplement un plan où j'avance, hein, hyper classique. Hop.
Voilà, ça c'est aussi un plan pocket. Et on peut remarquer un truc, c'est que sur la plaque d'immatriculation, il y a écrit mini. Bon, alors là, j'ai flouté la plaque, hein, évidemment, pour pas vous la montrer. C'était assez simple à faire. Je suis passé par After Effects avec un petit logiciel qui s'appelle Mocha, qui est fourni avec After Effects, qui permet en fait de traquer une zone et puis de la remplacer. Voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous en ferai une vidéo dédiée, mais c'est vraiment pas difficile du tout. En vrai, toute la fin, c'est que des plans GH5. Pareil, le plan d'origine était comme ça, donc j'ai remplacé la plaque d'immatriculation. Et regardez bien ici, il y a un petit pet sur l'avant de la voiture, sur le pare-choc avant, que j'ai fait disparaître sur After Effects. Voilà, c'est pas parfait, hein, on voit un petit peu, il y a une petite ombre un peu bizarre à cet endroit-là. Mais globalement, ça rend quand même vachement plus clean. Et voilà, on termine sur la Mini avec le logo, le modèle, et puis édition suréquipée. Hein. On avait vu qu'il y avait énormément ça sur leur site internet, je sais pas pourquoi. L'image d'origine avait un pet à l'avant, et bon, la mauvaise plaque d'immatriculation que j'ai remplacée. Et boum, Mini. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo avec cette Blackmagic Pocket qui est maintenant cassée et inutilisable. Donc si des gens s'y connaissent en soudure de prise micro HDMI, je suis preneur. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé du plan avec les oiseaux. Je vous avais dit que j'allais aller en retourner un parce que là j'en avais mis un temporaire. Le problème c'est que depuis le tournage de cette vidéo, il n'a fait que pleuvoir. Donc j'ai pas eu la possibilité de faire des jolis plans. Du coup j'ai laissé le fameux plan de 2015. Alors oui, il est en coucher de soleil, le reste de la vidéo l'est pas. Bon. Dommage. Malgré qu'on n'ait pas vraiment pu finaliser cette vidéo comme on le voulait, c'était vraiment très intéressant d'utiliser cette vieille caméra. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que finalement le plus important, c'est d'avoir un joli capteur qui a un joli rendu et que toutes ces histoires de specs techniques, de 4K, tout ça, et ben c'est pas si important que ça. Si vous voulez vous procurer cette caméra, alors sachez qu'elle est vraiment en cote montante en ce moment, donc les prix sont des fois assez délirants, mais on peut encore la trouver en dessous de 400€. Moi j'en ai trouvé plusieurs vers 350€. C'est vraiment une caméra qui est pleine de défauts, mais qui a un rendu assez unique et du coup j'aime beaucoup cette caméra et j'espère vraiment qu'on va réussir à la réparer pour vous tourner dans le futur une vraie vidéo totalement tournée avec cette petite Blackmagic Pocket. Si cette vidéo vous a plu, pensez vraiment à vous abonner, on approche les 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment fou. Pour cet été, on vous prépare une série de vidéos qui va vulgariser le monde de la photo et de la vidéo. Je sais bien que c'est un milieu qui, vu de l'extérieur, a l'air assez complexe, alors qu'en fait, c'est pas si compliqué. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, ciao.